Salut à tous, c'est Italique et on se retrouve pour la semaine 4 de Naxxramas, le quartier des assemblages. Alors, cette semaine, on a le droit à 4 boss, donc 4 fois plus de plaisir. Hein. Non, je déconne parce que, bon, ils sont galères, mais j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu moins galères que la semaine dernière. Donc, cette semaine, je vous ai préparé les 4 decklists, les 3 decklists des 3 premiers normales, sans vidéo. Et puis, on ira se faire Tadius en fin d'épisode. Donc, tout de suite, je vous envoie les decklists. Donc voilà, je vous montre le deck pour battre le recousu en héroïque. Donc j'ai essayé de faire un deck quand même assez low cost, au plus possible. Après je vais essayer de voir en même temps s'il y a moyen de changer quelques cartes ou pas. Donc je mets deux images miroirs, deux javelots de glace, deux forbans de la voile sanglante, deux porte-boucliers, deux wyrnes, deux éclairs de givre, deux limons, deux protectrices sulfurie, deux barrières de glace, un bloc de glace, deux prophètes du cercle, deux seigneurs de la mort, deux boules de feu, deux défenseurs d'Argus, deux élémentaires d'eau et cairn. Alors le but c'est de lui péter son arme et d'essayer de le geler et de mettre en même temps pas mal de créatures sur table pour essayer de contrer son arme qui est furie des vents en plus en héroïque. Donc comment dire, la technique est assez simple, hein, c'est surtout d'essayer d'avoir les images miroirs, des petits taunts au début, le wyrn et quelques sorts comme le javelot et l'éclair de givre pour pouvoir le geler, les limons pour lui péter son arme, et vous allez prendre l'ascendant assez facilement. En carte qu'on peut enlever, c'est cairn. Cairn il sert pas à grand chose, vous pouvez le remplacer par un deuxième bloc de glace. Par contre après ouais c'est assez difficile de se passer des blocs de glace qui est la seule épique, sinon c'est que des cartes que vous avez forcément. Voilà. Donc voilà. Bon on se retrouve pour le deuxième deck tout de suite. À toutes. Et nous voici sur la decklist de Grobulus. Alors Grobulus c'est celui contre lequel j'ai le plus galéré. Hein. Franchement. Je trouve que c'est le plus chiant de cette semaine. J'ai essayé plein de decks différents. Et avec ce deck là, c'est passé first try. Mais direct. Franchement cadeau quoi. J'avais essayé avec du mage aggro, du mage un petit peu moins frost. Mais là, avec cette version là, vous allez voir, ça passe crème. Alors, il faut deux javelots de glace, deux éclairs de givre, deux auspices, deux barrières de glace, deux blocs de glace, deux intelligences des arcanes, deux novas de givre, une vapo, deux acolytes de la souffrance, deux prophètes du cercle, deux boules de feu, deux cônes de froid, deux blizzards, deux flamestrike, Alexstrasza, deux pyro. J'ai pas vu vraiment de technique pour celui-là en low cost, mais comme je vous ai déjà dit, je suis pas vraiment un spécialiste du low cost. Moi je fais avec les cartes que j'ai. Et là, franchement, contre lui, sans Alexstrasza et sans les pyros, ça risque d'être compliqué quand même. Donc voilà pour la decklist de Grobulus. Et on se retrouve pour le deck contre Glut. Alors, j'ai essayé pas mal de choses contre Glut. Et il s'avère que faire un low cost contre Glut, c'est assez tendu quand même. J'ai pas vraiment d'inspiration à part ce que je vais vous proposer là. Donc, deck mage avec entité miroir, deux entités miroirs, deux javelots de glace, deux éclairs de givre, deux limons démarrés, le mage de Santalnos, la barrière de glace, le bloc de glace, l'intelligence des arcanes, la nova de givre, acolyte de la souffrance. Deux boules de feu, deux blizzards, deux flamestrike, Alexstrasza, deux géants des montagnes, deux géants de lave. Alors la technique contre Glut, c'est de lui péter son arme avec les limons quand il vous joue son arme, parce que vraiment elle est tendue son arme là, parce qu'à chaque fois qu'il y a un râle d'agonie qui meurt, elle gagne +2. Donc ça devient vite incontrôlable.
Et bah, le but, c'est de lui geler au plus ses créatures. Il joue pas mal de la nouvelle carte, la Croc Zombie, qui vous redonne 5 points de vie. Donc ça peut bien vous aider. Et bah, le but du jeu, c'est de lui. Il joue beaucoup de cartes, donc c'est de lui nettoyer sa table. Et au bout d'un moment, il va se trouver top deck et il saura plus rien faire. Donc voilà. Bon, ben bah, à toutes pour le prochain deck. Et donc nous voilà donc sur la decklist de Thaddeus. Thaddeus qui au final n'est pas si dur que ça. C'est un peu comme tous les boss de Naxx. De toute façon, faut avoir une bonne sortie. Et si vous avez une bonne sortie, normalement, ça se met pas si mal. Donc Thaddeus, pour le battre, on va utiliser ses armes, à savoir Fugen et Stalag. Hein, ça c'est pas mal. Et on va utiliser pas mal de taunts, du soin, enfin vous allez voir, un druide un petit peu custom. Donc on met deux innervations, deux acclimatations, deux marques du fauve, deux œufs de Nérubien, deux sulfuries, deux prophètes du cercle, deux graines de poison, le baron Veilfendre, deux défenseurs d'Argus, le gardien du bosquet, un. Deux Mogushan, deux gueules d'acier des oasis, Fugen, un Kodo Stalag, deux Marche-Soleil, Alexstrasza, deux géants de lave. Donc, bah, comme pour les autres decks, le low cost est assez difficile à mettre en place. Surtout que là, les légendaires qu'il y a dedans, normalement, vous les avez si vous avez fait les premières semaines de Naxx. Donc, et puis donc Fugen et Stalag qu'on vient juste d'avoir. Il n'y a que Alexstrasza. Alexstrasza va être difficile à passer outre parce que quand même elle fait bien le boulot en descendant Thaddeus à 15 points de vie. Donc j'arrive pas vraiment à vous proposer une alternative low cost sans Alexstrasza. Voilà pour la decklist. Bah, on va essayer d'aller se le faire tout de suite. Hein. Hop. Donc comme je vous disais, j'ai pas eu. Contre Thaddeus, bah c'est une question de chance hein, au départ. Hein. Si ça se met bien, ça va quoi. Je trouve que Thaddeus est pas si dur comparé par exemple à Grobulus où j'ai eu beaucoup plus de mal. Hop. Bon, 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 bon. Je dois obéir. Ouais, c'est pas Je terrible, dois hein. C'est pas protéger la nature. terrible. Hein. La graine de poison, c'est pas mal, mais il m'aurait fallu une inert pour bien faire. Allongez pour écrasez-toi. Meurs maintenant. Putain, moi aussi j'ai les deux. Ah, c'est pas bon ça. Clair. On remet 8 le tour prochain. C'est pas trop grave. On va voir ce qu'il va faire. Il va sûrement faire un éclair.
On est obligé d'envoyer toutes ces saloperies. Ça, ça m'a vraiment... Tempête. Tempête quand il se met totalement en surcharge. Pas mal pour moi. Jouer Stalag. Maintenant, tu connais la souffrance. Ok. Alors, est-ce que je la joue slow 4, 5, 6 ou est-ce que je la gros direct est-ce que je peux tout nettoyer? Tac, tac, tac. Ouais, je peux tout nettoyer. On va la gros direct. J'apporte la vie. D'abîmer au minimum ta vie. Ça, je vous laisse pas. Voilà, il me soigne mon Alexstrasza en plus, donc ça c'est pas mal. Moi je pense que c'est game. Ouais, nickel. Les damnés se tiennent. C'est game, et ben voilà. Tadius, dans ton cus. Je peux même me soigner si je veux. Allez, on va faire le foufou. Voilà. Et tiens dans ta gueule, dans ton cul. Et bah voilà. Semaine 4, l'extramas plié. Plus que la dernière semaine à arriver. Je pense que ça va être assez tendu la dernière semaine. Donc bah j'ai hâte d'y être quand même. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Sur ce, ben, à la prochaine. Allez, ciao !